J'ai exercé pendant longtemps comme avocate et je travaille aujourd'hui au sein d'une équipe de juristes expérimentés spécialisés en contentieux. Mon rôle est de représenter le collège de l'AMF dans les procédures engagées devant la commission des sanctions. Le collège de l'AMF, c'est l'un des organes de décision de l'AMF. C'est aussi l'autorité de poursuite de l'AMF. En quelque sorte, c'est l'équivalent du ministère public ou du procureur dans un procès pénal. J'interviens à tous les stades de la procédure. J'apporte un soutien juridique aux équipes en charge des enquêtes et des contrôles. Je rédige les actes de poursuite. Et enfin, je représente le collège en plaidant devant la commission des sanctions et devant la Cour d'appel de Paris. Sans hésiter, le sens. Je défends l'intérêt général. De la même façon qu'un avocat va défendre les intérêts de son client, mon rôle est de défendre l'intérêt général en m'assurant que toute personne qui porte atteinte au bon fonctionnement des marchés et à la protection des investisseurs soit sanctionnée. Le but, c'est de garantir la confiance que les investisseurs placent dans les marchés financiers. Des dossiers passionnants et variés. Les affaires que je traite portent sur des manquements commis par des professionnels régulés par l'AMF, mais pas seulement. Toute personne qui commet un abus de marché, c'est-à-dire un manquement d'initié, une manipulation de cours ou un manquement portant sur l'information financière d'une société cotée, peut être poursuivie devant la commission des sanctions. Je suis également amenée à réfléchir aux évolutions du cadre juridique national et européen. En tant que juriste à l'AMF, on est évidemment au cœur de la réglementation. La qualité des équipes. J'ai la chance de pouvoir travailler au quotidien avec des personnes qui disposent d'une expertise rare. Pour construire un dossier juridique solide, je collabore au quotidien avec des personnes qui sont toutes expertes dans leur métier au sein des différentes directions de l'AMF. Si je suis confrontée à un point technique bloquant, il y a toujours quelqu'un à l'AMF qui va m'apporter l'éclairage nécessaire pour renforcer mon dossier.